pile année 2023. Donc c'est une année dans toute histoire peuple haïtien qui plus catastrophique. C'est une année dans toute histoire peuple là, gain plus monde qui mouri en babal. Gain plus monde qui quitter caillou sans payer pas en guerre avec personne. À moins que ces sociétés qui est en guerre avec tête. Et suivant tout rapport ensemble organisation Nations Unies, ensemble organisation et société civile et organisation droit monde mettre dehors. Il y a des chiffres qui baillent presque 2000 personnes mourir en babal. Plus que 100 000 personnes qui étaient caillou. Et nous ne pouvons pas imaginer quand c'était policier, plus que 43 policiers, et il y a deux autres qui disparaissent, il y a 43 qui mourent, il y a deux qui disparaissent. Donc ça, c'est le bilan sur le plan social, comment la société a été. Et sur le plan économique, Haïti fait 5 ans, l'un après l'autre, a fait décroissance. Ça veut dire que le pays n'a pas produit richesse, pendant que les gens continuent à faire en Haïti. Donc ça t'a dit que nous vivons 5 fois plus pauvres. Dans 5 dernières années. Et l'autre aspect nous a souligné tout, nous avons question de dépendance là même. Haïti vit un pays qui est complètement dépendant. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui sont chefs dans le pays, c'est des tweets ou bien c'est des ambassades qui nomment. Donc ça t'a dit que Haïti n'est pas État indépendant encore. Et la situation ça fait que nous-mêmes, dans nos conscients, nous ne pouvons pas arrêter indifférents. Et effectivement, nous tapons une bataille pour transparence, nous tapons une bataille pour justice. Et nous songeons que nous conscience c'est une affaire de lance de la bataille du Petro-Caribé. Et de fait, nous continuons qu'un B flambeau ça allumé. Et je dis à nous comprendre bien, avec l'État qui a fini de graser, nous ne pouvons pas mener la bataille justice là sans nous pas demander de refonder l'État. Parce que ça nous constate aujourd'hui, c'est que la stratégie qui est utilisée, c'est affaiblir l'État davantage pour pas avoir une possibilité pour rendre justice. Et bien nous-mêmes, nous conscients nous comprenons ça et nous très intelligents, nous dit, nous inscrivons dans le cadre de bataille pour renforcer l'institution républicaine. Et à partir de ce renforcement, l'État n'a pas bataille contre la corruption, n'a pas bataille pour la transparence tout bon. Et suivant ça, nous constatons pour l'année 2023, nous avons plus de monde dans le pays qui viennent riches pendant qu'ils prennent le pouvoir, pendant qu'ils restent les gens. Ils ont une petite majorité, une petite minorité tout petit, qui est plus riche, okay? Et la majorité de la population l'a effondré. Et la situation, ça, elle-même, elle soulevé la colère. Et de fait, nous conscients à annoncer la presse haïtienne en général. Nous conscients à annoncer la population haïtienne et nous conscients à annoncer le monde que Haïti a relevé. L'année 2024 là sont année de relever des défis pour Haïti. Et 2024 là sont année d'espérance, sont année d'espoir. Et nous conscients du peuple là pas perdu espoir parce que sont année combat.